Isa en maternelle présente Blanchet et les sept chevreaux de Geoffroy de Pénard. Igor est élégant. Il met une dernière touche à sa tenue devant son miroir. C'est un miroir magique. Régulièrement, Igor l'interroge. Miroir, mon beau miroir, qui est le plus chic de la forêt? Et le miroir répond. Igor, c'est toi, de l'élégance, tu es le roi. Et miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est le plus fort? C'est toi, Igor, c'est toi le cador. Et Igor est content. Mais un jour, dans la forêt, il surprend Monsieur Lapin, vêtu de somptueux habits. Petit agneau le félicite. « Quel style! Quelle élégance! Il est vraiment doué, ce Blanchet !» À ces mots, Igor retourne chez lui. « Miroir, mon beau miroir !» Qui est le plus chic de la forêt? Igor, tu restes très élégant, mais il y a des concurrents. Et Blanchet te surclasse nettement. Igor n'en croit pas ses oreilles. Quoi? Mais qui est ce Blanchet à la fin? Et où se cache-t-il donc, le zigoto? Il est chez les sept chevreaux. De l'autre côté du ruisseau. Alors, Igor va tambouriner chez les sept chevreaux. Madame Broutchou lui ouvre, vêtue d'un nouveau tailleur tressaillant. Je cherche un dénommé Blanchet. Mais oui, il habite ici. C'est mon neveu. Ah, quel artiste ! S'extasie Madame Broutchou. Blanchet ! Les enfants, venez un instant. Le voici. Admirez les habits qu'il a faits pour mes cabris. Les filles, Jeanne, Charlotte, Pénélope et Gabrielle, approchent, habillées de robes ravissantes. Tandis que les garçons, Joseph, Gaspard et Balthazar, paradent dans de magnifiques costumes. Un chevreau très distingué ferme la marche. C'est Blanchet. Il s'avance vers Igor et lui tend une carte. Enchanté, cher monsieur. Si vous voulez un nouveau costume, n'hésitez pas. Igor est médusé par l'aplomb du chevreau. Il prend la carte et rentre chez lui, déprimé. Il croise les trois petits cochons pomponnés et endimanchés, mais il n'a pas le cœur à s'amuser. Il aperçoit Chapeau rond rouge et Pierre, eux aussi dans des habits neufs, mais il n'a pas non plus la tête à s'occuper d'eux. Pour ne rien arranger, Valentine l'accueille radieuse. « Regarde comme cette robe est belle! C'est Blanchet, un couturier du tonnerre, qui me l'a faite !» Igor l'ignore et va interroger son miroir. « Miroir, mon beau miroir, qui est le plus chic de la forêt ?»« Ce n'est plus toi, assurément. Tu es fort loin du premier rang et c'est Blanchet !» Le grand gagnant. Vexée, Valentine s'écrie. J'aurais pu dire la même chose. Va donc commander un costume à Blanchet et arrête de couiner. Alors, Igor retourne chez les sept chevreaux et interpelle Blanchet. Puisque tu es si fort, confectionne-moi un habit qui surpasse tout ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant.
Cher monsieur, j'aime les défis et je vais relever celui-ci. Commençons par prendre vos mesures, répond le chevreau le plus tranquillement du monde. Puis, avec l'aide de Madame Broutchou et des chevreaux, Blanchet se met au travail. Tout le monde accourt pour assister à l'événement. Le résultat est époustouflant. Le costume est somptueux. Igor est enchanté. Mais il va tout de même vérifier. Miroir, mon beau miroir, dis-moi la vérité. Qui est le plus chic de la forêt ? Igor, c'est toi. De l'élégance, tu es vraiment le roi. Igor est aux anges. Il jubile. Sûr de la réponse, il demande alors. Maintenant, mon beau miroir, dis-moi, qui est le plus fort ? À sa stupéfaction, le miroir rétorque. Igor, tu es un cador, mais Blanchet est plus fort encore. Comment ça ? Blanchet est plus fort encore ? Mais ce n'est qu'un biquet. Je vais le ratatiner, l'écrabouiller, le réduire en pâté. Il se précipite chez les Broutchou. Justement, Blanchet se repose devant la maison. Igor se jette sur lui. Mais pif paf vlam, Igor n'y comprend rien. Le voici au tapis. Désolé, cher monsieur, ceinture noire de judo. Quel dommage, le costume était si beau. Mon histoire est terminée.